Hello, welcome back to the B2A section from Business to Audience on our Creative Europe channel, Media Catalunya. Golem, one of the distributors with the longest track record with media support, presented Laurent Cantet's latest film in San Sebastian Film Festival 2021. Cantet is already a regular guest in San Sebastian when he won the New Directors Award with Human Resources in 2003. Long before winning the Palme d'Or at Cannes with The Class in 2008. These are the films directed by Laurent Cantet that have been supported in one way or another by media. Human Resources, from 2003, support to distribution. Heading South, co-production with Canada, from 2005, support to development and distribution. The Class, from 2008, support to development and distribution, and La Palme d'Or at Cannes Film Festival. Foxfire, Confessions of a Girl Gang, co-production with Canada from 2012, support to distribution. 7 Days in Havana, a film made up of 7 short films, including Laurent Cantet's, co-production with Spain and Cuba from 2012, supported by media distribution. Return to Ithaca, co-production with Belgium from 2014, once again supported by media distribution. The Workshop from 2017, again distributed by media. And his last production, Arthur Rambo, presented in an official section in this Donosti Film Festival. Let's see some images. Voilà. Venez. Ça va, ça se passe bien, vous êtes content? Oui, super. Bon, je vous félicite parce que l'émission était très très bien. Très content que ça vous a plu. Venez, je vais vous présenter. Merci, bonjour, madame. Je vous présente Claude, vous vous souvenez? Espagnol, enchanté. Merci pour votre roman. Merci, ça me touche. Je vous en prie, moi, c'est possible de prendre un selfie. Un plaisir. Merci. Merci beaucoup et bravo. Merci. Bon, Karim, je vous laisse. Tout à l'heure. Merci. Merci à vous. C'est pour Marie-Pierre. Marie-Pierre. Merci, bravo. Il n'est pas tout seul. Il y a quand même beaucoup de choses qui sortent. D'accord. Je continue à penser que le bouquin de Karim sort du lot. C'est une certitude. Je suis d'accord avec toi. On reconnaît que la concurrence est quand même solide. Bon, bah d'accord, il y a des choses intéressantes. Mais quand même avec Karim, c'est de l'autofiction, mais on évite tout narcissisme. D'accord. Et moi, ça, ça me touche. Et ça va toucher le public. Merci, maître. Écoute-toi de ma gueule. Vas-y. À tout à l'heure. À tout de suite. Salut. Tu vas bien? Ah, super. Bonsoir. Bonsoir. Salut, Gilles. Ah, Karine, comment ça va? Ouais, très bien, et toi? Bravo pour l'émission. Bon, j'espère que tu n'avais pas prévu de prendre des vacances parce que la tournée s'annonce sévère. Tu es toujours d'accord pour les signatures en librairie? On fait les plus grosses, on attaque par Mola, Bordeaux, je crois, enfin Marie de Frein. Mais... Et il faut qu'elle revoie avec Sarah parce qu'il y a une nouvelle demande de presse aussi. Ouais, d'accord, et on est en réassort, on attire 15 000. Et on a aussi plein de demandes de l'étranger, Angleterre, Allemagne, Italie, pour le moment. Je change de statut là. Tu te rends compte? Non. Ça vient se passer. Golem, the film's distributor, made it easy for us to talk with Laurent Cantet about his career in European cinema. Could Arthur Rambo's character be the continuation of one of the characters of The Class some years later and now within the world of social media? Bien sûr, c'est vrai que ça pourrait être un des enfants, un des élèves de La Classe. Il se trouve que par ailleurs, l'acteur est lui-même un acteur d'entre les murs que j'ai retrouvé avec énormément de plaisir et qui a arrêté, lui, de tweeter ou d'être sur les réseaux sociaux il y a quelque temps, mais qui me dit « Oui, j'ai écrit un peu tout et n'importe quoi à un moment. » Par ailleurs, c'est vrai que son parcours a quelque chose d'un peu similaire à celui du personnage, c'est-à-dire qu'il est issu d'une famille d'origine algérienne. Il a découvert le cinéma à travers le tournage d'Entre les murs.
Et il s'est senti appelé par ça. Il a réussi à faire un certain nombre de films depuis. Et je pense qu'il sait très bien qu'il est un transfuge lui-même. Comme l'est Arthur Rambo, comme l'est Karim dans le film. Et que du coup, il est très concerné par, le, par la question. What do you think about media supporting your films? Je n'ai pas suivi très précisément les financements de tous mes films. Je connais par exemple l'importance de l'aide média à la distribution, qui pour moi est essentielle. On fait des films évidemment pour soi, pour ses amis, mais on les fait quand même pour qu'ils soient vus par le plus grand nombre. Et permettre à un film de franchir les frontières et puis de créer une dynamique autour d'un film comme le permettent les aides à la distribution européenne me semble très très important. As a filmmaker, how do you choose your films and what topics interest you? Moi, ce qui me donne envie de faire des films, c'est les questions que je me pose face à notre monde. Et ce qui m'intéresse plus que de traiter un sujet, c'est d'en éprouver la complexité. Mes films, généralement, ne jugent pas ni son personnage, ni la question en jeu dans le scénario, mais elle essaye d'en explorer tous les aspects et donc de laisser aussi le spectateur avec ce questionnement-là à la fin du film. C'est assez flagrant en ce moment dans Arthur Rambo avec mon nouveau film, où on regarde très précisément la violence des réseaux sociaux, où on est face à un personnage qui nous inspire, j'espère, un peu d'empathie, mais qui en même temps écrit des choses absolument insupportables et qui donc crée aussi du rejet. Et j'espère que le spectateur, comme moi, bascule continuellement entre cette empathie et ce rejet, parce que je pense que c'est comme ça que la complexité de notre monde se produit. C'est-à-dire que moi, je ne sais pas quoi penser de ce jeune homme. Je sais qu'il me renvoie à des questions importantes. Ces questions, je les regarde, mais je n'ai pas du tout de position arrêtée sur la question. What has been the role of festivals in your career? Was the Palme d'Or at Cannes crucial? A kind of a match point, maybe? Dans l'ensemble de ma carrière, les festivals ont été extrêmement importants. Et à commencer par le festival de Saint-Sébastien, où pour la première fois, un de mes films a été montré, et c'était Ressources humaines. Le film a reçu un accueil très très chaleureux ici. M'a permis aussi de gagner le prix du jeune réalisateur. Et c'est vrai que c'est l'endroit où on a le plus la possibilité de se confronter à un public. Mais on rencontre les gens qui ont vu votre film, qui l'ont aimé, qui l'ont moins aimé. Et c'est des moments très très forts et très importants dans la vie d'un film et d'un réalisateur. Après, évidemment, il y a eu la Palme d'Or, et voilà, qui a été un des moments les plus émouvants pour moi dans toute ma carrière. Je ne suis pas sûr que la Palme d'Or m'ait beaucoup aidé à faire le film suivant. Peut-être que financièrement,
J'ai eu une fenêtre comme ça un peu plus large et que c'est d'ailleurs pour ça que j'en ai profité pour faire Foxfire, qui est un film plus ambitieux, plus cher. Mais j'ai quand même le sentiment qu'à chaque fois qu'on commence un film, on recommence comme si c'était le premier. Et c'est aussi ce qui est très plaisant dans... très plaisant et angoissant. C'est-à-dire qu'on n'a pas le sentiment d'avoir beaucoup... Si j'ai appris des choses de mes tournages précédents. Mais quand même, il y a la même mise en danger à chaque fois. Are you more of the big screen release or larger platform availability? Oui, mais là, je pense que justement, il faut... Enfin, c'est le moment de lutter. Et c'est le moment de défendre l'idée que le cinéma, c'est quand même fait pour être vu sur un grand écran et surtout être vu à plusieurs, dans une espèce de communauté. Et moi, ma grande peur aujourd'hui, c'est qu'à cause de la pandémie, les gens aient pris de mauvaises habitudes pour moi. Qui est de regarder un film sur un téléphone dans le métro. Voilà. Moi, j'ai envie de continuer à être le dinosaure qui continue à aller voir des films au cinéma. Et heureusement que les distributeurs sont encore là pour faire ce travail. Et heureusement, et moi, je ne rends jamais assez hommage aux exploitants. Les exploitants des salles qui sont des vrais militants, qui défendent les films, qui ont envie de vraiment mettre en avant les films qu'ils aiment. Et c'est ça qui est formidable, c'est qu'il y a chaque salle a fait un vrai travail éditorial. Et ça, je pense qu'il faut l'encourager. Pure entertainment or real values that make us think? We ask him about film education. Moi, je suis persuadé que l'éducation à l'image est quelque chose d'essentiel. C'est vrai qu'en France, j'ai l'impression qu'on le fait de manière assez forte, avec tous ces dispositifs qui permettent à des enfants à l'école d'aller voir des films, d'en parler. C'est vraiment, enfin, je pense que de toute façon, montrer un film à un jeune, à un adolescent, c'est aussi lui ouvrir le regard sur le monde et surtout lui faire comprendre que on peut regarder un film évidemment pour le plaisir, mais qu'on peut aussi prendre énormément de plaisir à réfléchir avec un film. Et ça, voilà, ces deux aspects-là me semblent importants à défendre. C'est-à-dire que le film ne doit pas être forcément un support de discussion sur tel ou tel sujet de société, mais doit être pris aussi pour ce qu'il est, c'est-à-dire une œuvre d'art qui a été pensée, qui a été écrite de manière précise et avoir un regard sur le mode de fabrication d'un film, ça me semble être important pour le décoder. Do you think media has helped to promote and, at the same time, protect cultural diversity in Europe? Oui, moi, je pense que c'est, pour moi, la richesse du cinéma, c'est sa diversité. Et cette diversité-là, on la trouve dans un cinéma lituanien qu'on connaît très mal, mais que grâce à un distributeur, on va découvrir un jour à Paris ou même dans un petit village en France. Et ça, je pense que tout ce qui permet de faire circuler les films, et effectivement, les films qui en ont besoin, c'est souvent les films pauvres, moi, m'intéresse toujours beaucoup. Il faut le faire. En tous les cas, moi, je pense que c'est la richesse,
c'est la richesse de notre cinéma que de pouvoir se diffuser un peu partout. Can you tell us your secret regarding how to work with non-professional actors in order to get your naturalistic narrative? Je passe beaucoup de temps à faire mes castings et je pense que c'est beaucoup là que se trouve le secret Cantet. Non, plus sérieusement, c'est vrai que j'aime beaucoup l'idée qu'un film ça soit une œuvre très collective. Et je passe énormément de temps avec les comédiens, parfois à remettre en question le scénario, parce que quand je m'adresse à un ouvrier pour jouer le rôle d'un ouvrier, ce qui m'intéresse, c'est sa connaissance du sujet. C'est son expertise. Et du coup, j'inclus les acteurs très tôt dans la fabrication du film. Et après, il y a une autre chose aussi, c'est que je tourne de manière un peu particulière, c'est-à-dire que je tourne les scènes dans leur ensemble. Je ne découpe pas le champ puis le contre-champ. Je tourne avec deux caméras, du début à la fin de la scène sur un axe, puis je change d'axe avec mes caméras et on recommence du début à la fin. Et les acteurs sont portés par la logique de la scène. Ils sont dans le rythme réel de l'échange qu'on est en train de filmer. Et ça, je pense que c'est assez essentiel, surtout quand on travaille avec des gens qui sont des acteurs non professionnels. While celebrating the 30th anniversary of Media Program, could you wish us a happy birthday? Eh bien, je voulais aussi souhaiter un très très bon anniversaire, un 30e anniversaire au programme Média. Et merci. Merci beaucoup, Monsieur Cantet. Thanks. On behalf of Europe Creative Desk Media Catalunya, we would like to thank Lorea Elso and the entire team of Golem Distribution for facilitating this meeting, as well as the kind translation made by Mathilde Ranger. Don't forget to follow us.